Et au sujet de ces expériences d'enlèvement, que sait-on? Vous croyez vraiment à ces histoires? J'écoute le Clash sur la chaîne Asleigh. C'est un problème. Ça va, Cédric? Ouais, ça va. Ouais, je suis Georges Toulet. On vous annonce le retour de Cédric pour lundi soir dans la Radio Libre. Et voilà. Vous êtes content, Cédric revient lundi? Et vous faites plaisir. Ah, ben, t'entends, le public est là, Romano est heureux. Content. Pas vraiment. J'entends ça. Oui, mais c'est bien. C'est sûr? Ah, bah, ah, on sait jamais. C'est sûr, avec ouais, t'inquiète. Tu veux faire un clash, Cédric, ce soir? Ouais. Eh bien, le clash de la drague. Tu te sens trop faible. T'inquiète pas, va, je suis en pleine forme. Ah, très bien. Donc, le retour du clash ce soir en direct, Cédric dans son lit. Si vous avez des méthodes pour lui, vous envoyez. Et puis, Romano en face de moi, si vous avez des méthodes pour lui, envoyez aussi. Tout à l'heure, ton clash avec Romano, on va clasher dans l'émission. On va se retrouver. Si t'es capable. Avec les familles de France qu'il va falloir séduire. Et là. Lundi, on a fait combien lundi d'ailleurs? 73 à 27, ouais, il me semble. Ah ouais, c'est bien ouais. Ça, je t'ai déglingué le cul, quoi. Ouais, tu lui as cassé le fion un peu. Bon, ce soir, on le termine, là, Team Romano. Préparez les votes. On le termine. Bon, voici notre clash de la drague. Petite caresse de Cédric aussi. Ah, c'est gentil. Merci, David. Petite caresse, Cédric. Méthode du clash, Cédric. On y va dans un instant. Ouais, alors moi, la méthode de soir, c'est j'ai appris une bonne nouvelle, j'ai envie de faire la fête. Et ce soir, je vais faire la fête à la femme ou à l'homme de la famille. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la méthode? C'est con quoi, je viens d'apprendre une bonne nouvelle, je suis content, j'ai envie de faire la fête. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi la nouvelle? C'est quoi la méthode? La bonne nouvelle, c'est que je reviens lundi à l'émission. Ah, tu vas donc dire que t'es Cédric le Belge. Ah non, je veux pas le dire. Bah alors. Ah bah, ça n'a que ni tête, Cédric alors. Elle va te demander à quelle émission, tu vas dire que tu fais quelle émission. Tu vas dire que tu travailles pour le MagMad. MagMad, comment ça s'appelle cette merde? MagMad. MagMag. Déjà, voilà. C'est imprononçable. J'aurais un truc à dire, vas-y. T'inquiète. C'est imprononçable, regarde. Donc, tu es animateur du MagMag avec Jérém Star. Non, avec Jérém Star. Et ils ont repris Mathieu Delorbeau. Voilà, vous faites un trio. Coucou les boys and girls. Oui, c'est vrai. Bonjour Vermine. Donc c'est bien noté pour ta méthode, Cédric, c'est bien, il y a de l'idée. Ouais. Et toi, Romano, ta méthode? Bah moi, j'étais en train de faire du footing. V'là que je me suis foulé la bite. Et là maintenant, t'as envie de faire du footring. Ah ouais, c'est foulé la bite pour changer un peu après le footing, tu peux mais plus en faire. Comment tu veux pour te fouler la bite? Ah bah je me la suis coincée entre mes jambes, c'est tout un bordel. Et on m'a dit que la femme s'y connaissait en sgeg, donc je vais aller frapper à la petite porte. Ça, je pense que ça va lui faire plaisir, ça aussi. Bon bah deux bonnes méthodes. Viens, Cédric, viens, Romano, on teste ça. Bien. Allez, on y va pour le clash. On a les deux méthodes. Cédric, rappelle la tienne pour ceux qui viennent juste d'arriver. Ouais, c'est la méthode du mec qui est content parce qu'il a appris une bonne nouvelle dans sa vie et puis il voudrait faire la fête avec la famille, quoi. C'est noté. Et Romano, ta méthode? Moi, c'est je faisais mon footing, je me suis foulé la bite. Voilà. Et là, tu voudrais foutrer la femme après. Ouais, c'est ça. Un footing. Là, on va chez qui là? Tu veux faire un footring? J'ai pas entendu. Michael. Ah. Michael. Cédric, on appelle Michael Jackson. Oh ah ouais. Pas vrai. Oh ouais, trop fort, je l'adore, il chante super bien. Tu peux pas appeler Prince après? Si, on va l'appeler. On appellera Prince. Bonjour, vous êtes? Ouais, ça commence bien, Cédric, aurais-tu déjà la loose? Est-ce qu'on pourrait passer une famille qui décroche, André? Ouais, commence pas à te plaindre. Attends, c'est la première, Cédric, attends. André, mauvais. Je le sens bien. T'es mauvais. Keep cool, man. Ça, on n'y peut rien. Ouais, moi, je suis cool, je suis détente. Tranquille, comme Sopra qui était avec nous, tranquille. Je suis ventre à l'air, moi. Oh, putain de merde. Ça fait rêver, tiens. Là, je me caresse le ventre. Oh là, mon bonjour. Vous êtes en relation avec un répondeur téléphonique. C'est quoi, Merci de bien vouloir laisser un message après le téléphone. Il est poli. Complètement débile. Tu veux laisser un message, Cédric? Non, ça va aller. Non, salut les filles. J'ai laissé un message à ta place. J'ai pas de famille. Hein? Bonjour, vous êtes sur la messagerie de... Voilà. C'est de ma gueule, là. Alors, on en fait un autre? Ouais, alors... C'est Romano qui faisait les numéros ou quoi? Non, pas du tout, moi j'attends. J'attends trop. Allô. Allô. Allô, comment ça va, ma belle? Téléphone, Cédric. Tu vas bien? Allô. Oui, vous appelez qui? Ben, j'appelle la femme de Raymond. De Raymond, c'est toi? C'est de la part de Michel le beau gosse. Le beau gosse. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris une bonne nouvelle, tu vois, au travail, là, j'ai appris un beau truc, là, j'ai une augmentation. Et puis, bah, du coup, je voulais venir te faire l'amour ce soir. Pas d'augmentation, non? Bah, si, il faut que tu vas m'augmenter. Non, mais c'est vrai. Bah, je te l'apprends. Voilà, bah, moi, je t'apprends. Elle vient de raccrocher, la dame. Voilà, pas d'augmentation, comme pas de serrage. Quoi, Nada, elle est partie. C'est ouf. Pinute. Bon, bah, t'as réussi à parler à une femme, elle avait une jolie voix en plus. Comme tu dirais, Cédric, pinute. Une. Pinettes, on dit, Cédric. Une bonne voix de cougar, comme on les aime. Allez, vas-y, on voit de la famille. Bon, Romano, premier tour. Il va falloir que je lui montre comment ça se passe. Que... Allez, montre-nous. Place au professionnel. Ah, allô? Ouais, allô? Oui? Oui, c'est la femme à Pierre? Comment? C'est la femme de Pierre? C'est? La femme de Pierre?
Ah, t'as pas plus vieux pour le prochain? Tout le monde peut participer. Pourquoi tu veux pas la femme de Pierre? Tu es raciste. Non, mais non, mais c'est les pas personnes raciste, la pauvre, elle est sourde. C'est... Oui, alors, elle a pas le droit d'aimer. Non, mais c'est quand, pas... tu es... quand tu es sourde, tu n'as pas le droit d'aimer. Oui, non, mais si, mais t'as le droit d'aimer, mais pour communiquer, c'est pas évident, quoi. Aimer. C'est plus fort que tout. Ben oui. Bon, vas-y, envoie une autre famille. Parce que j'ai alors, mon gars, qu'est-ce que t'as fait? Ouais, mais attends, là, on va appeler une maison de retraite. Alors, après le premier tour. Non, mais j'ai un plainte de la sélection de la famille, hein. Je vous le dis direct, hein, les gars, si vous faites ça, ça va chier les bulles. Mais ça, je m'en branle, pas mon problème. C'est bizarre. Comme dirait Romano, chacun sa merde. Ah ouais. Cédric. Daniel. Allô. Daniel. Daniel. Allô. Ouais, bonsoir, c'est la femme de Daniel. Oui. Comment ça va ce soir? Regardez, ça va? Oui. Ouais, nickel. Bah, je te parce que moi, j'ai appris une bonne nouvelle là aujourd'hui. Uh-huh. Et du coup, j'aurais bien aimé faire la fête avec toi ce soir. Bah, c'est de la part de qui? Bah, moi, c'est Michel, je suis un de tes voisins, j'habite 3-4 rues derrière. Ah non, puis, mais. Tiens, je vais partager ma joie de vivre avec toi, t'as l'air heureuse toi aussi, toi. Non, mais je pense que vous faites erreur. Ah non, non, bah, c'est bien toi, c'est la belle femme que je vois tous les jours. J'ai envie de te faire l'amour ce soir, ma chérie. Voilà, ça c'est allô, le, ça c'est les l'estocade finale. Vous connaissez les corridas, c'est quand ils. Ouais, c'est ça, mise à mort. C'est la mise à mort. Bam. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Là, là, tu lui as scié les pattes à même la bonne femme. Même toi, ça te fait rigoler, Cédric. Ça, mais c'est chelou, pourquoi elle a raccroché? Bah, c'est à chaque fois que tu leur demandes de faire l'amour avec toi, il y a toujours un petit, il y a toujours un petit souci. Peut-être qu'elle entend mal avec le téléphone. Ouais, c'est ça, ouais, t'as raison, mais quand t'es dans le studio, ça marche pas mieux. Si, si, ça marche mieux. Bah, que dalle, t'en as pas gagné depuis la rentrée, tête de con. Ta gueule, connard. Bon, Mano, à toi. Je ramène juste les statistiques. Hein. Tu rappelles juste les statistiques, mais exactement. Ouais. Vous avez vu, je fais comme si Romano était normal. Qui est donc, on a quel? Alors, qui s'est battu? Vous avez vu, je fais comme si de rien n'était, comme si la personne en face de moi qui parle dans la radio Skyrock était complètement normale. Qui est donc qu'on appelle? Qui est donc qu'on appelle? Et alors, bienvenue sur la boîte vocale du 09. Vas-y, envoyez-moi quelqu'un, je suis excité là. Ouais. Allô? Ah bah bonjour, oui. Vous êtes à la messagerie orange du... Salut. Hi. Salut, salut dans l'Ouest. Allô? Oui, allô? Ouais, je suis où là? Vous êtes à Bidart Ouest. Bidart Ouest? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Bidart. Bon, écoutez voir, là j'ai un petit problème. Bidart. J'ai un petit problème. J'étais en train de faire footing là. Oui. Et en fait, j'ai un petit problème, je me suis foulé la bite. Est-ce que je pourrais venir te voir éventuellement pour que tu me la suces? Bah sérieux, je peux passer vite fait? Non, là ça va être compliqué. Là. Bah ou sinon je la colle dans ton cul, il faut que je la mette au chaud. Ouais, allez, c'est ça, ciao. Bon, allez, laisse-toi aller bébé. Mais c'est quoi Bidart? Je sais pas, c'est peut-être le nom du mec. Mais non, mais ça devait être un truc. Bonjour, je suis Monsieur Bidart. Au début, j'avais compris Midas, moi. Midas, non, ça c'est pour refaire un pot, Romano. Non, mais je me disais, c'est parfait. Si t'as envie de te refaire faire le pot, pourquoi pas. Bah alors, qu'est-ce que t'as fait, Romano? Bah ouais, mais là, on m'a dit que rien, là. Tiens, franchement, mais. Ah, mais c'est comme ça, maintenant, y a que des numéros. Y a plus de noms, y a plus rien. Non, mais c'est quoi, c'est une nouvelle règle? C'est ça, mais chef du standard. Chef du standard du clash. Bah, chef du standard, il va se détendre. Non, mais du c'est cul. Comme ça, on appelle 10 numéros, ça répond pas. Donc le dernier, il y a plus de nom. Tu vois. Allez, je laisse 3 minutes au clasher pour serrer. Donc un tout dernier tour. Vas-y. Le dernier, comme on dit aux États-Unis, The Last One. Yeah. The Last Tour. Voilà, avec Cédric maintenant. Yes, it's me. It's you. Hello. Cédric. Hello ou alors? Salut les filles. Pourquoi tu fais pas comme méthode de drague un truc sympa du style je connais des stars, je suis l'ami personnel de Jérém Star, tout ouais, ça. T'inquiète, je ferai ce prochain clash. Si ouais, je prends des bains avec lui. Je connais Difool aussi, tiens. Non, mais tu mélanges pas avec n'importe qui, Cédric. Jérém Star, Difool. Je peux dire aussi, je connais Mathieu Delormeau. Ouais, bah non, mais je le connais pas, lui. Du coup, les boys and girls. Bon, Cédric, tu fais quoi, là? Putain, t'es lourd. Allez, on dit allô. 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 Ouais, bonsoir, comment ça va, ma belle? Ça va bien. Eh ben, nickel. Dis-moi, je t'avais parce que je voulais faire un peu la fête ce soir avec toi. Oui. J'ai appris une bonne nouvelle, là, au boulot, là, je vais t'augmenter. Et du coup, ben, je voulais venir faire ta fête à toi. Très bien, pas de soucis. Oh. D'accord, ce soir j'ai envie de te faire l'amour. Hein. Oui. Oh. Prépare tes fesses ma chérie, ça va être chaud ce soir. Oh, oui. Eh ben j'arrive tout de suite alors. Si t'as une copine ou un pote. Si t'as une copine ou un pote qui voudrait faire la fête avec nous, il n'y a pas de soucis. Hein. Ok, pas de soucis. Eh ben prépare-toi ma chérie, j'arrive. Très bien, allez. Bisous mon cœur, à tout de suite. Allez, à tout de suite. Ça se fout de sa gueule, non? Eh ben bravo Cédric. Eh voilà mon gars. Eh ben mon gars. Eh ben c'est cool. Eh ben c'est serré. Eh ben Eh ben il a serré Cédric, dis donc.
Eh ben, ça fait bien chier. Bah, c'est ce que dit Toshi, d'ailleurs, qui est fan de la team Romano. Fait chier, il a géré. Et Bidart, c'est à côté de Biarritz, on nous dit. Bon, je vous ai pas parlé de ma chiasse de ce matin. Ah. Allez, Romano, tu as été très, très malade. On peut même le dire. Extrêmement malade. On peut même le dire à l'article de la mort. Bah, j'ai vu la lumière. Tu as vu. Ah, mais dis-le. Le tunnel avec la lumière au fond. T'as bien mal au cul. Comment ? On va te faire mal au cul ce soir, t'inquiète. Attends, Cédric, t'emballe pas, il n'y a pas encore eu les votes. Il y a tes fans qui sont là, Cédric, quelle performance. Waouh. Hey, ce soir, la team Romano, va falloir mettre le paquet, team Romano, R.O.M.A.L.O. Attendez, c'est pas fini, Romano, t'as un coup de fil. Hein. Bien joué, mon gros, pour Cabrus. Va falloir voter Romano. Chachou, allez, fait, you, Cédric, ça vaut une victoire, ça. Allô, allô. Oui, bonjour, t'es à mon service ? Allô ? Oui, vous êtes à mon service ? Je vous écoute, monsieur. Oui, excusez-moi de vous déranger. En fait, je passe pas loin de chez vous, là. J'étais en train de faire un footing. Allô ? Vous m'entendez ou pas ? Oui, oui, je vous écoute. Oui, et en fait, je t'explique, je me suis foulé la bite. Oui. Vous arrêtez de m'importuner. Monsieur. Je vais venir, là. Putain, pas commode, lui. Je prends un rappel. Je m'en fous. Il faut pas le faire chier. Je m'en fous, je prends un rappel. Je tente. Il y a plus d'autres tours. Non, il y a plus d'autres tours. Ouais, bah, je prends un rappel. T'as raison. Allez. Je prends même deux rappels, peut-être. Oh, non, rappels. L'arbitre met le holà. Un rappel. Après le très beau serrage de Cédric. Tu lui donnes, Cédric? Non, mais y a pas de rappel, t'es malade. Eh bien, merci, Cédric, de ta générosité. Merci de donner le rappel à Romano. De toute façon, vas-y, ok. Alors, t'arrêtes, gros. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur. J'ai votre numéro. Oui, encore un appel. Moi, je viens. Hein. Là, tout de suite, dans 5 minutes, je suis là. Hein. Oui, très bien, je vous attends. Voilà, tu me caresseras le sexe et je te ferai l'amour. Oui, oui, et puis j'appelle la gendarmerie de suite. Vous arrêtez. On fera l'amour ensemble. Je travaille, monsieur. Moi aussi, à mort. Je suis invité. Bravo à tous les deux. Bon, à vous de décider qui a été le meilleur, Cédric ou Romano. Tu entends? La folie. Karim soutient. Ah non, moi. Tout soutient Romano. Non, je fais juste les mais web. Mais Marie, elle est pour Cédric. Ouais, je te soutiens, Cédric. Ah là, c'est partagé dans l'équipe. T'as vu Romano? Bah, moi, attends, je m'en fous, j'ai fait un vrai serrage. Moi aussi, j'ai fait un vrai serrage ce soir, mes amours. Faut voter Romano, R-O-M-A-N-O. Cédric, ça fait un mois et demi que le mec nous trimballe avec ses fausses maladies. Le mec en vacances, je vous le dis la vérité, moi. Le mec est en vacances au bord de la mer, ce salopard. Eh ben, votez Romano, R-O-M-A-N-O. Moi, je suis toujours là. J'ai été vachement malade de chien. De vomi et tout ce matin, votez Romano. Allez. Je suis venu exprès pour vous, mes amours. Je lance le vote. Ça, top vote. Allez-y sur le 41-759 sur l'appli Skyrock. Vous avez 5 minutes pour voter. Bah tiens, jusqu'à la fin de DJ Snake et Justin Bieber, Let Me Love You. Jusqu'à la fin de Let Me Love You, vous votez les 23h56. Justin Bieber vote Romano. Et DJ Snake, il vote pour qui? Romano aussi. Ah, il vote Cédric, c'est pas vrai. Bon, on va voir ça. Les résultats. Bah d'abord les votes. On fait les comptes et on vous donne les résultats. Un clash à suspense qu'on retrouve ce soir. Sly Guy. Le clash, il va être serré ce soir, à mon avis. Je sais pas qui va gagner. Non, il va être rien serré du tout. T'as pas vu les mêmes votes chez moi, gros. T'es Cédric, t'as pas tous les messages. D'ailleurs, si vous avez le Telex de Skyrock, vous avez pas tous les messages. Il y a plein de messages avec les numéros de téléphone. Tous ceux-là, ils sont enlevés. Ouais, vous en avez quoi? Un tiers des messages, dont on voit tout le reste. Ouais, je sais même pas. Hein. Même pas. Hein. Ah ouais, Cédric, pas de s'appeler moral. Ah non, moi je suis. Ah non, mais j'ai vu les messages, moi. Je suis moins catégorique que toi, Romano. Je pense que ça va être serré. À mon avis, on va être sur du 49-51 ou un truc comme ça. Ça, c'est bien, sinon je me fais niquer ça. C'est possible. Quelques poils de cul. Aïe, ça va jouer à un poil de cul, cette histoire-là. Faites boire Cédric lundi, c'est marrant quand il est bourré, nous dit Chanel. Vas-y, Cédric. Vrai. Juste non, en dessous. Non, mais sérieux, Cédric, il me reste un alcool de Sardaigne, là, le filou ferrou. Je vais péter l'épaule encore, laisse tomber. Bah non, mais il n'y a pas à se péter l'épaule. Là, ça va juste brûler la gorge. Bah oui. Non, mais Cédric, pour ton retour, faut bien fêter ça. Il a raison. Elle a raison. C'est qui envoie le message? Non, mais il faudra boire Chanel, le. Chanel. Ouais. Il faudra boire le verre de l'amitié. Chanel. On dira santé. En plus, t'es en excellente santé. Exactement. Tu peux essayer le Ricard simple. À la tienne, les tiennes. Ah, ta santé, non, Cédric. Non, mais alors, je veux pas non, dire. Non, mais je parle pas de mon nez là. Je parle du pif. Je le dirai après. Du feeling. Vas-y, dis ta saloperie. Je dirai après. Non, dis ta saloperie. Non, je le dirai dis après. Dis ta merde. Non, je dirai après parce que si je perds, je vais passer pour un rageux. Dis où je m'en vais. Non, mais dis-le. Non, parce que j'ai remarqué un truc. Romain des réseaux sociaux, qui est le descendant de Momo, un peu. C'est vrai. Un peu le même syndrome. C'est-à-dire que j'ai remarqué un truc. Quand tu dis que c'est serré. Là, t'as dit 49-51. Bizarrement, c'est 49-51. Ouais. Et j'ai remarqué ça depuis déjà un petit moment. Tu dis ça pour préparer une défaite, Romano? Non, je dis ça en toute objectivité. Oh bah, évidemment.
Non mais je suis objectif. Mais attends. Cédric 51. Ah merde. Putain, c'est chier ça. Ou 49. Bah je préférais 49. C'est au choix. Je préfère 51. Ouais, pour Cédric moi. Prend 49, tu seras en progression par rapport à lundi. Romano 49. Ah non, ah non putain. Non. Ou 51. Ça y est, il en stresse. Mais ils sont tous les deux en stress là. Vous les avez stressés ce soir. C'est bien d'avoir voté comme ça, super. Donc la victoire, elle est ce soir. Hein, pourquoi tu insultes? Non, non, mais je règle mes comptes un peu hors micro. Avec Romain. Alors, Mathieu Marie annonce les résultats. Victoire de. Romano. Avec. Hein 51%. Vous l'aurez rien fait. Bah si, 51%. Bah, si. Attends, 51. J'aime te baiser là. Hey, de peu. Tu t'es fait niquer de coucou, ouais. Il était content, il avait ses bras. Il est... De peu, mais bon. Hein. Ah, je t'ai bien niqué, du con. Putain, tu me vénères. Ah, bah t'étais pas loin. Non, mais hey, Cédric, tu regardes la progression. T'étais à 73. Non, non, à 27. Non, 27. T'étais à 27. Non, mais t'es vachement monté. Et là, t'es à 5. Marie, va te calculer le pourcentage de l'augmentation. Ouais, bien sûr. La performance. Non, mais c'est bien. En tout cas, vous avez, j'aime bien les clashs comme ça parce que c'est vrai, je regardais les messages, je voyais que c'était serré de partout. Et ben c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué. Tu as du pif, Difool. Merci pour vos messages. En tout cas, merci à toute la team Romano. Hashtag Difool a du pif. Merci, on l'a baisé, c'est ce qui fait plaisir. Et je laisse toujours. Supprime mon message sur Twitter parce que j'ai été baisé, donc je vais passer pour un con. Ah oui, ça. C'est quoi, alors attends, supprimer. Ah non, 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 bah, tu me fais pas une photo avec un mélange avec la gueule de Cédric. Mais si, c'est, bon, c'est joli, juste avant le retour de Cédric lundi. Ça doit attends, donner un truc. Tu veux te mélanger avec Romano, Cédric, hein? Allez, vas-y. Allez. Ça va donner une gueule. Ah, vous allez être beau. Ça... J'attends de voir la gueule, tiens. Ouais. Fais voir ce que ça donne. Baiser ensemble, faites un enfant, les gars. Faites voir la gueule que ça vous fait. Non, mais n'empêche que. Waouh. Grâce à mon physique, il serait quand même. Le gosse serait moins moche que Cédric tout seul. On vous met la photo sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez la voir sur Snap. Des cheveux ou pas, ce con? Non, il y a pas de nom, tu verras la photo de mélange de vous deux, elle est chauve. Ah bah oui. Ah merde. Ah merde, pas de chance, oui. T'as pas tes cheveux. Donc vous allez sur tous les réseaux, Facebook, c'est dans deux minutes. Instagram, bon. Snap, Instagram, Cédric, Facebook. Bien joué. Et puis vendredi, bah le prochain clash, on sera en direct vendredi soir aussi, hein. Donc prochain clash de la drague dans ton lit. Et lundi, le retour en direct dans la radio libre. Et dans le... Bonne surprise. J'entends les fans qui sont déjà là et qui t'attendent. Oh là là, mais ils t'attendent avec patience. Attendez, tous les uns derrière les autres. Bon, à tout de suite, Cédric, reste dans le coin. Allez, jusqu'à minuit, il est avec nous. Non, aussi, Chanel, hein. Alors je te dis direct, Chanel. Qu'est-ce qu'elle dit, Chanel?